Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une palette! Un make-up! Donc, on va commencer avec la Beauty Bay slash Niki Tutorials, en collab avec Niki Tutorials. Et voilà, donc je vous remets le swatch de make-up en barre d'infos. Je vais partir dans les roses parce que j'ai envie d'utiliser celui-ci, tout simplement. Et je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé un vrai make-up. Donc, je suis impatiente. On fera le tirage au sort pour la prochaine palette, donc de mercredi prochain, ensemble. On fera comme ça à chaque fois. Comme ça, ça me laisse le temps de préparer. Vous voyez, ce que je veux mettre comme tenue assortie au make-up, les couleurs que je veux faire et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, j'espère que vous serez contents de retrouver les make-up. Moi, ça me fait hyper du bien d'avoir fait mon teint. Ça me fait du bien de tourner un make-up. Ça faisait longtemps. Bon, à part le make-up en masque dentelle, hein, que je vous remets dans le petit et en barre d'infos, qui est un gros fail, bien évidemment. Mais voilà, au moins je l'ai fait et ça m'avait quand même manqué les petites vidéos make-up, donc... J'espère que vous serez contents de les retrouver. Bref, sur ce, je me rapproche et on attaque. Le fond, ça a l'air pas trop dégueu non plus. Hein. Je verrai ce que ça donne au montage. Enfin bref, voilà. Donc, je vais blender ma base au doigt parce que j'ai mon pinceau, il est là-bas et j'ai pas envie de me lever. Voilà, puisque j'alterne sur mon bureau entre la résine et le make-up. Donc, je dois à chaque fois tout bouger. C'est un peu chiant. Mais il faut que je trouve une autre organisation... avoir à chaque fois à bouger pétotrotte. Enfin, si la résine, je suis obligée de tout bouger, mais bref, c'est un autre sujet, ma cocotte. Ben voilà, alors je vais commencer avec la teinte que j'ai envie d'utiliser, la rose ici, avec un pinceau bulle. Je sais même plus dans quelle ordre sont mes pinceaux, tellement ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes pinceaux. Je vous jure, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas maquillée. Donc, je vais faire mon... Alors, on va y aller soft, hein. Enfin soft, pas en couleur, hein, mais en forme et compagnie. Je ne vais pas non plus, pour une petite reprise make-up, on va faire doucement. Hein. Je ne vais pas partir dans des formes exceptionnelles et tout ça, mais voilà, au moins, pour ceux qui ont la palette, ça vous donne des idées de make-up. C'est ça l'avantage d'une palette et un make-up. C'est juste que d'habitude, je prends le temps d'aller vérifier ce que j'avais déjà fait ou pas pour pas vous faire 50 fois le même make-up, hein, parce que sinon c'est un peu con-con. Mais là, j'ai pas pris le temps. Donc, ça se trouve, je l'ai potentiellement déjà fait ou à peu près pareil. Je ne sais pas. Donc, je commence doucement à dégrader le bord. Oh, mes petits pinceaux aussi m'avaient manqué. Alors, sur la paupière, j'ai bien envie de faire un dégradé de lumineux, du coup, tout simplement. Donc, j'ai commencé avec le rose, ici, le plus foncé. Mettre le rose gold à la suite, et en coin interne, je mettrai celui-là. Et voilà. Donc, je prends un pinceau plat. Je ne trouve plus mes pinceaux, c'est un truc de fou. Je n'ai plus mon organisation, tellement je n'ai plus l'habitude. Alors, je commence avec le rose le plus foncé. Que je mets sur la moitié externe. J'aurais peut-être dû mettre une petite couleur en dessous quand même pour que ça pop un peu. Ouais. Alors attendez, je vais prendre... je vais mettre le orange ici. Un orange corail. Mais assez léger, que je vais mettre sur toute ma paupière. Mais je crois que j'ai déjà fait à peu près hein, le même make-up, je suis désolée, mais il faut le temps que je me remette dans le bain. On est sur un make-up total de saison quand même. Hein. Donc je recommence, je remets du rose ici, ouais c'est un peu mieux quand même. Parce que c'est vraiment des toppers ces fards là, donc avec une couche en dessous c'est quand même mieux. Je crois d'ailleurs que je vais faire mon coin interne en jaune. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. En même temps, ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée. Je prends donc le rose gold.
Je mets à la suite. Donc, je vais laisser un petit écart ici pour mettre le plus blanc. Ok, je prends le plus blanc avec l'autre côté de mon pinceau que je mets sur la partie interne de ma pipière. Donc celui-ci est un peu plus crémeux. Hein. Ok, avec le premier pinceau, je balaye un peu partout pour blender les fards. Je reprends mon pinceau boule pour blinder mon creux. Je prends un pinceau pour le coin interne. Ils sont tous en bas en train de sécher. Je vais prendre un petit pinceau crayon. Je prends donc le jaune. Et jaune, hein. Très 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 jaune. Et je le mets en coin interne, en ratier inférieur ici, interne. Ok, je prends un pinceau estompeur et j'estompe le bord de mon rose. Donc je n'utilise pas de couleur de transition puisque les fards se blendent assez bien. Donc je blinde. Il faut juste travailler un peu plus avec le pinceau pour faire un joli dégradé. Mais comme je vais rajouter le fard lumineux blanc sous l'arcature chélière, ça cachera la démarcation. Je reprends le blanc que je tartine sous mon sourcil. Je vais y aller au doigt d'ailleurs. Alors je vais pas faire de liner pour garder le côté été, summer make-up. Je vais mettre des petites étoiles et quelques petits strass quand même. Crayon jaune en muqueuse. Sur les lèvres, je vais juste mettre le gloss Fenty Beauty. Je viens vous montrer ce que ça donne. On se retrouve juste après et à la fin, on fera le tirage pour pour mercredi prochain. Donc voilà le look final avec la palette Beauty Bay en collaboration avec Niki Tutorials. Je crois que j'ai pas trop perdu la main, ça va hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis éclatée. Voilà, ça faisait hyper longtemps. J'aime toujours autant cette palette, même si je trouve qu'elle est assez restreinte. Parce que vous pouvez pas mixer énormément de couleurs. Enfin, je sais pas. Je la trouve assez restreinte comme, comme palette. Mais c'est idéal pour un petit make-up rapide. Voilà, si vous jamais vous travaillez, que vous devez vous maquiller vraiment de façon rapide, elle est très bien. Donc voilà pour ça. Je vous mets le lien, je ne sais pas si elle est toujours dispo, je vous mets le lien en barre d'infos. En plus que c'est normalement encore les soldes. Oui, hein, ça doit encore être les soldes. Donc les soldes sur Beauty Bay, souvent sur leur marque en plus, ça vaut largement le coup. Donc on va passer au tirage au sort pour la prochaine palette de la semaine prochaine. En sachant que potentiellement je pourrais vous les faire en mini vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de ne plus poster de shorts. Même si c'est ce qui me rapporte le plus d'abonnés, ça me bouffe mes vues. Enfin j'ai un gros problème avec mes vues. Donc je vais essayer de ne plus poster de shorts, mais les vidéos short, je les posterai en vidéo classique. Ce sera des vidéos quand même d'une minute, mais en vidéo classique. Voilà, je vais essayer comme ça et on verra ce que ça donne au niveau de mon algorithme. Donc, bref, on passe au tirage au sort pour la prochaine palette qui est, je ne sais pas lire, la Midnight. Oh, c'est encore un peu les mêmes teintes. On partira plus dans le mauve alors, puisque c'est encore du Beauty Bay, désolé. On partira donc sur la Midnight qui est dans les teintes bleu et mauve. Là, il y a 42 fards, donc il y a moyen de s'amuser. Ok. Ben voilà. Ben écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. N'oubliez pas de laisser... Ah, je bats avec les gloss, ça m'énerve. De mettre le pouce en l'air.
de vous abonner si c'est pas encore fait, d'activer la petite cloche au passage pour pas rater les vidéos. De toute façon, c'est une par jour à 17h30, c'est pas compliqué, que ce soit du DIY, les vlogs, les hauls, les make-up, les shorts, on va dire ça comme ça, hein, les mini-vidéos. Et voilà, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre de la muqueuse, du crayon en muqueuse. Tant pis. Sinon, ouais, dites-moi en commentaire si vous avez cette palette, si vous l'aimez toujours autant qu'au début ou pas, ou si vous l'avez jamais aimée, si vous ne l'avez pas, tout ça. Comme d'habitude, je veux tout savoir. Et en attendant demain, moi j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.